Lendemain de fête organisé par Bérénice. Alors que je finalise le montage de cet épisode, le vendredi 30 juin 2023, j'ai rappelé cette visite à Camille et Grégory, chez qui nous venions déjeuner ce 4 août 2020 avec Guillaume. Il ne s'en souvenait absolument pas. Le journal filmé garde aussi la mémoire de tous ceux qui le traversent. C'est un groupe de cyclistes, on se réunit. Et là, on était ouais, on avait pas loin d'être 200, je pense. Oh, bah dis donc. Et ouais, c'était cool. Ouais. Quoi comme trajet? Bon, c'est des balades dans Nantes en général. Et qui, le nom, c'est Vélorussion. En anglais, c'est Critical Mass. C'est pour, c'est censé être revendicatif sur la place du vélo. Là, ça fait deux fois que j'y vais avec, bah, avec Philippe. Ah, oui, c'est sympa, c'est quoi là Rosie, quoi, du coup, ouais, c'est sympa. Donc, du coup, j'avais mis un petit mot juste 2 heures avant. J'avais oublié de te prévenir avant. Mais je savais bien que tu n'étais pas hyper dispo. Mais si tu as envie de venir. Ouais, c'est super. T'as pris des tomates oui. Ou pas? Mais non, bah non, vu que j'ai mangé. Ok. Ouais, oh. Mais de la ventile. Quoi? Ouais, bah oui. Ouais. J'attends Bérénice à la gare de Nantes. Je n'ai pas filmé son départ depuis la fête qu'elle a organisée avec ses amis.
Elle rentre certainement de Rennes, je ne me souviens plus. Dans le journal filmé ne reste que ce qui a été enregistré. Il n'est qu'une mémoire partielle de nos existences. Entre deux plans, deux séquences, il y a des trous. Le travail du montage ne fait que donner l'illusion d'une continuité factice.